À vous tous qui nous suivez, que ce soit sur Numérica, que ce soit sur Mwangaza ou sur Mikuba. Et je vous remercie pour toutes vos réactions par rapport à l'émission Le Primat de l'être, du paraître sur l'être, de l'être sur la voix. Vous avez été très très nombreux qui nous avaient appelés de Lubumbashi, de Paris, de Bruxelles, pour nous remercier, nous féliciter pour cette émission. Et nous vous en sommes reconnaissants à tous. Donc, bonne année. Mes invités, vous avez lu leur nom sur le défilé de notre. On appelle en radio indicatif. Ici, comment on appelle ça? Générique. Générique, voilà. Non, c'est très bien pour moi parce que je voulais quand même faire un essai. Monsieur l'abbé commence à s'y connaître. Bonigaba aussi. Alors, le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez lu également. Monsieur l'abbé, vous avez dit quoi? Le Le rêve. Congo de nos rêves. Le Congo de nos rêves. Je vais rappeler à ceux qui suivent régulièrement cette émission qu'il y a 4 ans, nous avions proposé à nos téléspectateurs une émission pour dire qu'il fallait que nous ayons l'habitude de nous projeter vers l'avenir, de nous poser la question de savoir ce que nous serons dans 5 ans, dans 10 ans. Mais j'ai l'impression que cet exercice, on ne l'a pas fait. C'est un exercice qu'il faut faire, que le pouvoir doit faire, que les Congolais doivent faire dans leur ensemble, mais également chacun. Le Congo de nos rêves, quel devrait être ce Congo avec tout ce que nous avons comme richesse? Potentiel. Franchement, si nous nous posons cette question sérieusement, dans 10 ans, nous ne saurons pas ce que nous sommes. Monsieur l'abbé, la première question vous concerne. Peut-être faut-il commencer par nous poser la question de savoir qu'avons-nous fait de ce Congo pour avoir la matière qui puisse nous aider à nous projeter vers l'avenir. Qu'avons-nous fait de ce Congo? Non, sa complaisance. Je crois que à cette question, mon frère Kibambi, il faut commencer par le jeu personnel, le jeu. Donc, la première personne singulier. Qu'ai-je fait, moi, José Mpundu? Qu'ai-je fait du Congo, cette terre que nous avons héritée de nos ancêtres, cette terre que Dieu nous a donnée? Qu'en ai-je fait? Monsieur l'abbé, je vous arrête là. Pour dire à nos téléspectateurs, en fait, cette question, Monsieur l'abbé vous invite de vous la poser C'est là ça. où vous êtes. Voilà. Quelles sont les actions que vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour contribuer à la grandeur de ce pays? La Eh suite, s'il bien, vous plaît. oui, c'est ça la grande question. Hein, c'est d'abord la première personne du singulier. Pourquoi j'insiste sur la première personne du singulier? C'est pour que nous sortions de cette manie qui nous caractérise de toujours rejeter la faute à l'autre, de toujours chercher un bouc émissaire. Si ça ne va pas, c'est un tel. Si ça ne va pas, ce sont les autres. Mais moi, là où je suis, quelle est ma part de responsabilité? Voilà. Quelle est ma part de responsabilité dans ce qui a marché, mais aussi dans ce qui n'a pas marché? Bien souvent, nous nous jetons des fleurs pour ce qui a marché, nous nous oublions facilement hein, les réussites. Là où ça a marché, c'est moi. Là où ça n'a pas marché, Monsieur l'abbé, ce je vous sont les complète. autres. Je vous complète pour faciliter la meilleure compréhension des autres.
simplifions les choses. Vous habitez dans une belle maison. Vous avez une belle voiture. Car pour mériter ça, n'avez-vous pas quelque part péché ? Introspection, répondez à cette question et vous verrez que si tout le monde répond sérieusement à cette question, nous irons très très loin. Continuez, monsieur l'abbé. Après, je vais donner la parole à notre... À moins que vous ayez... Eh bien, ce que... Maintenant, je voudrais être concret pour répondre à la question que tu m'as posée. En tant qu'individu, en tant que personne, eh bien, je dois dire que il y a pas mal de choses que j'aurais dû faire que je n'ai pas faites. Il y a des vérités que j'aurais dû dire que j'ai tues. Il y a des actes que j'aurais dû poser que je n'ai pas posé. Et tout cela a contribué à faire en sorte que mon pays dégringole. Que mon pays en arrive à la situation, je dirais, de misère. À la situation catastrophique en quelque sorte dans laquelle nous nous trouvons, j'emporte une part de responsabilité. Merci, monsieur l'abbé. Cher ami Boni Gaba. Oui, effectivement, lorsqu'on se pose cette question, on doit naturellement l'inscrire dans le temps. Savoir que les gens de notre âge, lorsque le maréchal était encore général, Mobutu a pris le pouvoir. Donc, les luttes pour l'indépendance et le militantisme avant l'indépendance, nous, on n'était pas encore à l'âge où on pouvait faire ça. Et Mobutu arrive au pouvoir, il nous montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je me souviens, nous, on était étudiants. En 71, lorsque nous avons été enrôlés dans l'armée, de force évidemment, parce que nous étions en quelque sorte les derniers bastions de la résistance contre le pouvoir totalitaire. Donc, à l'époque où on aurait dû être plus nombreux à réclamer plus de liberté, plus de pluralisme, etc. À bousculer le pouvoir. À bousculer le pouvoir pour lui montrer qu'il n'a pas le monopole de la... disons de la raison. Il peut se tromper, il doit accepter la contradiction. Ce pouvoir-là ne voulait pas entendre ce genre de discours. Donc, notre parcours individuel a dû subir ce genre de contre-coup. Puis vint le fameux 24 avril 90. On dit voilà, on libère la parole, maintenant tout le monde peut s'exprimer. Et là, on a assisté à une floraison de la structure pour exprimer chacun sa pensée, mais en réalité, on a tout de suite compris que c'était des partis politiques juste pour être dans le jeu, pour participer au pouvoir, mais pas vraiment pour changer, pour se projeter et dire voilà maintenant le Congo, on est enfin libéré, on peut tous s'exprimer librement. C'était pour dépecer la proie et se la partager, le reste quoi. Avec le recul, on se rend compte que c'était uniquement pour ça. Donc, le Congo de nos rêves, on peut le dire sans risque de se tromper, on n'y a vraiment jamais pensé en tant que groupe, en tant que Congolais. Tout le monde a cherché seulement à entrer dans le jeu pour manger. Pour manger, au lieu de se demander comment, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, on est tous allés pour dire, le pays, allez, donnez-moi à manger. En fait, un peu comme des animaux. Exactement. Parce que l'animal, il tue sa proie pour manger. Exactement. Sans aller plus loin. Ouais. Malheureusement. Et si donc, tout le monde, tous nous nous posons cette question, toute honte bue,
en nous disant, non, là, voilà ce que j'ai fait, ce n'est pas sérieux. Ce que j'ai fait n'est pas bon. Et puis je retourne à M. l'abbé pour lui poser la question de savoir, non, à Bonigaba, pour lui poser la question de savoir, mais en groupe, pourquoi nous n'avons jamais été exigeants par rapport à ceux qui dépeçaient la proie pour manger? Nous avons applaudi, nous avons laissé faire, nous en tant que peuple. Oui, justement, parce que je sais que M. l'abbé va certainement me compléter là-dessus. On ne sait jamais, en fait, nous ne nous sommes jamais pensés comme peuple. C'est déjà ça le problème. Nous nous sommes pensés comme partie du peuple, peut-être, parce que nous, les Baswahili, nous, les Bangala, oui, comme tribu et tout ça, jamais comme peuple. Parce que quand on se pense comme peuple, on est justement, c'est là qu'on devient hyper exigeant. Parce qu'un peuple sait ce qu'il veut. Ce peuple commence par se doter d'une constitution qui reflète ses ambitions, sa manière de fonctionner, la manière de sélectionner les hommes et les femmes qui vont le représenter à différents échelons. Et c'est là qu'il va montrer à quel point il ne badinera pas, parce qu'on verra que seuls les méritants, les gens qui ont effectivement le profit de la fonction, ce sont ceux-là qui vont émerger et qui vont prendre la direction. Mais comment voulez-vous que, franchement, vous le savez, vous savez que ce monsieur, il est député, que sa femme est sénatrice, que sa fille est... Et puis, vous laissez faire. Nous sommes un peuple extraordinaire. Ce sont des choses qu'un peuple normal doit refuser. Dire à quelqu'un, mon cher, ce que tu fais là, nous ne l'acceptons pas. Voilà un peu la façon dont un peuple doit réagir. Vous avez à compléter, je vous vois... Que le peuple en arrive à réagir de cette manière, il doit être libre. Il doit Monsieur être l'abbé, suffisamment Monsieur l'abbé, je ne suis libre. Pas d'accord avec vous, nous sommes libres. Quand non. Nous allons mettre notre bulletin dans l'urne, ouais. Nous savons, on peut faire la fête, et quand on va mettre le bulletin dans l'urne, on dit pas ça. Oui, mais quand je parle de liberté, il ne s'agit pas de quelque chose d'extérieur. Il ne s'agit pas d'une liberté uniquement sociologique, hein, c'est-à-dire une réalité externe où il n'y a pas, disons, une barrière qui t'empêche de mettre tel bulletin dans l'urne ou quoi. Il s'agit de cette liberté intérieure du cœur, n'est-ce pas, une liberté intérieure de la raison, n'est-ce pas, qui te permet de dire, eh bien, là, je ne peux pas faire ceci parce que ça va entraîner telle conséquence, non seulement pour moi en tant qu'individu, mais aussi pour la collectivité. Et c'est cette liberté pour faire le bien qui est en cause ici. Alors, si nous ne sommes pas suffisamment libérés de l'avoir, libérés du pouvoir, libérés de la soif de la gloire, si nous ne sommes pas libérés intérieurement, eh bien, on peut poser un acte qui apparemment est un acte libre, mais en réalité, c'est un acte servile. Oui. Qui relève de l'esclavage, qui nous tient quelque part. De l'avoir qui nous étrangle. Oui. Parce que je ne peux pas comprendre, sans idéologie, voilà, quelqu'un qui va d'un parti à un autre. Et puis demain, vous l'applaudissez. Oui. Est-ce que vraiment, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Donc, ce qu'il disait hier, c'est du mensonge. Oui. Mais un homme comme ça. Et puis, cet homme lui-même, est-ce que ce Congo-là
C'est son père qui le lui a légué pour qu'il puisse partir d'une idéologie à une autre sans transition. Ne se sent-il pas... son libre arbitre ne lui dit-il rien pour qu'il ressemble à un animal? C'est là où on peut se poser la question, part-il d'une idéologie à une autre? Existe-t-il une idéologie dans cette démarche? Est-ce qu'on va d'une idéologie à une autre? Non, on va d'une mangeoire à une autre mangeoire. Voilà plutôt la réalité dans laquelle nous vivons. On va d'une mangeoire à une autre mangeoire. Et c'est pour, et d'ailleurs, l'expression qui est en vogue, n'est-ce pas, c'est être dans les affaires. Être dans les affaires. Voilà. Alors, on a été dans les affaires ici, et demain, ça n'a plus marché ici, eh bien, on va là-bas, parce que c'est là-bas où il y a les affaires, n'est-ce pas? Et on va des affaires en affaires. Mais on ne va pas à une idéologie. Et l'idéologie, c'est un ensemble d'idées, un ensemble de valeurs. Est-ce que ce sont... qu'on défend jusqu'à... Voilà. Est-ce que ce sont ces valeurs qui nous font courir? Non. Je ne pense pas. C'est la bouffe. Je ne pense pas. Alors, deuxième partie. Que devons-nous faire? En fait, ce Congo-là, nous le voulons comment dans 10 ans? Franchement, monsieur l'abbé, projetons-nous dans 10 ans. Nous rêvons à quoi? À un Congo commun où on mangerait comme des animaux, on ferait n'importe quoi, comme où nous voulons d'un Congo digne de la confiance que Dieu Allah a placée en lui. C'est-à-dire un Congo qui a des moyens de rayonner de l'intérieur à l'extérieur pour aider les autres à sa franche, monsieur l'abbé. Eh bien, moi, je vais exprimer de manière très, très claire ce Congo de mes rêves, le Congo dont je rêve. Un peu à la manière de Martin Luther King, n'est-ce pas, qui a exprimé le rêve qu'il avait des États-Unis, le rêve de l'Amérique, n'est-ce pas, l'Amérique de ses rêves. Moi, je dirais, le Congo dont je rêve, eh bien, devrait être une terre d'égalité, égalité, c'est-à-dire où chacun de nous sera considéré dans son humanité et que l'égalité en somme, c'est l'égalité dans notre nature humaine. C'est que tu es un homme, je suis un homme, tu es un être humain, je suis un être humain et en cela, nous sommes égaux. Et puisque nous sommes égaux, n'est-ce pas, par notre nature humaine, nous sommes des frères. Donc, une égalité avec la fraternité et qui a comme corollaire le respect absolu de tout être humain. Je rêve d'un Congo où l'être humain sera respecté dans l'absolu parce que l'être humain est image de Dieu. D'une certaine manière, si, puisqu'on parle beaucoup de Dieu... Pourquoi vous atténuez, vous dites d'une certaine manière? D'une certaine manière, c'est-à-dire dans notre société, où parfois, bon, les gens disent on est dans un état laïque et tout, bon, il ne faut pas mêler Dieu à tout, mais entre-temps, nous mêlons Dieu à tout ce que nous faisons, n'est-ce pas? Vous entendrez un chef de l'État qui s'exprime et il met en disant que Dieu bénisse le Congo. Hein. Bref, bon, on mêle Dieu à tout, à mais moi, je dirais, le premier... la première image du Congo que j'ai dans mes rêves, c'est un Congo d'égalité, un Congo de fraternité, un Congo de respect absolu de l'être humain. Merci, monsieur l'abbé. Et vous, mon cher ami? Oui, je voulais, avant de répondre à cette question, dire que l'ignorance des enjeux est peut-être l'une des explications du comportement de la plupart d'entre nous. Parce que ne pas comprendre que le Congo est un enjeu particulier pour le reste du monde nous pousse à ne pas être suffisamment vigilants et donc à laisser les choses se passer comme si
Il n'y avait rien à faire. Et pourtant, nous observons les Chinois, nous nous moquions d'eux hier, c'est des chinoiseries. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'ils sont. Et nous, on se moque de nous aujourd'hui. Il faut nous rendre compte. Mais c'est grave. Les enjeux, tout le monde voudrait devenir puissant. Et nous sommes puissants. Ouais. Mais tout simplement, de manière... c'est vrai, l'ignorance des enjeux. Il faut nous battre pour devenir une puissance. Et nous en avons les moyens. C'est ça. Continuez, mon cher. Et le fait de ne pas comprendre que, du coup, nous avons comme une mission particulière pour assurer la grandeur qui est la vocation naturelle du Congo. J'entends parfois des gens, des hommes politiques, se comparer à l'île Maurice, Sierra Leone, des pays, naturellement, ce sont des pays qui sont Nations Unies, la même voie et tout ça, mais à part ça, il n'y a rien d'autre comme élément de comparaison. Le Congo a une vocation naturelle de leader. Et donc, avoir conscience de cela vous pousse donc à être attentif à toutes les velléités de chercher à nous diviser, chercher à nous rentrer dedans d'une façon ou d'une autre, parce que justement on se rend compte que nous on est distrait. Distrait. On n'a pas compris qu'on avait cette distrait. Responsabilité. Quand vous prenez des millions de l'État, on a vu des gens, des milliardaires, des millionnaires qui fêtaient leurs millions, mais aujourd'hui... Ces gens-là sont partis. Donc, c'est parti où? Mais dans la bêtise, tout simplement. Que ces millions, si nous avons un portrait robot du Congo puissant de demain, personne ne volerait dans la caisse de l'État, parce que ce qui nous unit, ce que nous devons faire est plus important que tout. Aujourd'hui, on ne nous respecte pas. Là, on fait des bêtises, c'est des Congolais. Là, on fait des bêtises, c'est des Congolais. Mais c'est grave, monsieur l'abbé. C'est très grave parce qu'il y a là une question d'éthique, de conscience. La conscience que nous devons avoir de nous-mêmes, de notre identité en tant qu'être humain. Parce que quelqu'un vole des millions et qu'on l'applaudisse et qu'on chante son nom et qu'on le proclame grand prêtre, on l'acclame partout, n'est-ce pas, Mopreso, et on lui colle toutes sortes de qualificatifs, n'est-ce pas, pour magnifier sa grandeur. Ça montre que quelque part, eh bien, nous avons perdu notre identité humaine, notre identité en tant qu'être humain. Et tout à l'heure, je disais que je rêve d'un Congo, une terre d'égalité, de fraternité et donc de respect absolu de l'être humain, n'est-ce pas? Eh bien, ce respect commence d'abord par soi-même. Est-ce que je me respecte en tant qu'être humain? Est-ce que je me considère comme être humain? Est-ce que je considère que ma valeur ne viendra pas des millions que j'irai voler dans la caisse de l'État pour que je paraisse, mais ma valeur viendra de mon être, de ma manière d'être avec les autres, de ma manière de percevoir la réalité et d'agir pour que les autres soient bien. Et c'est pourquoi j'ajouterai à ce rêve, à ce Congo de mes rêves, un deuxième élément que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est une terre de participation. Parce que tout à l'heure, quand tu as évoqué l'exemple de ce Congolais qui vole dans les caisses, qui prend dans les caisses de l'État, eh bien, ça, ce n'est pas la participation. Ce n'est pas la participation. Ça, c'est la prédation. C'est même, je dirais, non seulement que nous avons affaire à des prédateurs, mais nous avons affaire à des charognards. À des charognards. Pas seulement des prédateurs, mais des charognards. Eh bien, la participation suppose qu'il n'y a pas dans ce Congo de mes rêves, d'un côté ceux qui font
hein, des choses qui travaillent, et de l'autre, ceux qui regardent en disant, ben, on va voir ce qu'ils vont faire, on va le voir. Et puis, en disant cela, hein, on se dit qu'ils ne réussissent pas. Et même à la limite, on va mettre les bâtons dans les roues, hein, de ceux qui travaillent pour qu'ils ne réussissent pas, et qu'on puisse dire après, voilà, qu'est-ce qu'on disait, ils ne vont pas réussir. Eh bien, pour moi, la participation suppose en corollaire la notion de responsabilité. Lorsque je participe, je prends part à la réflexion, je prends part à la décision, je prends part à l'action, je prends part à l'évaluation de l'action, eh bien, lorsque je prends part, je réponds. D'accord, c'est d'accord. Ça, la notion de responsabilité. Je réponds. Oh, ma kambotoza ko loba lelo ezan pezana na mutuya. Yoza ko benga mon preso. Oyebi ke mutuwa na muibi munene ya l'état. Uza ko benga mon preso. Benga mon preso en le méprisant. Uza ko talaye lokola nyama. Hein? Wana, mais ce qui uza ko tal uza ko respecter ye parce que ayibi. A lingi aiba ya lingi kaka moko azala na ba place ya likolo lokola boko yo za ya tata na ye azala kaka mokonzi mikolo nyonso akwautia wa mokonzi akai wana mokonzi et puis yo lobby au voter ye parce que après yo bien aux azoba permettez-moi de vous le dire toza peuple moko yo toza kondima biloko bandimakate parce que Tozako, imaginez mboka na biso ezala ndenge nini, mboka na biso fo ezala paradis. Or paradis, qu'est-ce ya l'état ba ibakate, ba tushakate. Mais bino aibi, soki moto aibi te azaki zo ba azaki, to changer vraiment mentalité wana. Que ba mibi to banda kotala bango na tozala exigeant, azako le kaboye, boza kotala ye. Pas de violence, parce que là, je ne peux pas prêcher la violence. Boza kota la ye na kizoba, ce qui a comme elle a quelque part, koye bisaye, yo za ki boyete, tika makambona yo. To banda koyoka soni ya koyiba, mon cher ami. Oui, je crois que eloko uti koloba, de na linga kina bakisa. Mokolo. Batuyo nyonso bazo yiba mbongo ya leta, c'est-à-dire mbongo ya peuple. Bako banda ko banga ko malibanda. Po ayebi ke soki akomi na kitambo magasin par exemple, bako wololaye. Comment on appelle ça? Bako wololaye. Oui. Donc, ye moko amoni ke bako sekaye. Ko sekaye. Akoloba non. Oyo makambo changé awa. Mbongo ya leta koyiba yango te. Oza na douanier. Même bato wana ba douanier. Ba impôt. Bato ya impôt. Bon, bien sûr que ba koloba o salaire eza mouke. Mais bato nyonso baza na salaire ya mouke. Justement, il faut bo matisa recette. Po bato nyonso bazwa salaire ya malamu. Mais yo moko kobanda kose servir te. Yo za douanier, oza na deux immeubles, trois immeubles, makambo ebele. Puis bazo, ah, oza vraiment, ah non, yo. Non, non, wana il faut trop changer. Ce qui est silité, alors na ganisi biso to. Oui, et puis moto asali boye. Na votre moussousou, otie kakaye, parce que aye biko iba. Mais c'est quoi cette affaire là? Biso to tako la nanzala, ye azala kaka, a outiawa, akende sousou kuna, po ba pesa ye. Et bonga mususu, c'est la meloba yo mesana koloba. Ce qui est plus grave, koleka, c'est que moto ya yibakate, bazali, boyo asala musala na l'état na biso a yibate, bazali. Mais talandenge baseka kabango, talandenge batala kabango lokwa bazoba. Bande konayo ya libota bako sekayo
Yo, vous allez qui mokonzi, vous allez qui ministre, vous allez qui PDG, vous salanine, baninga, talaba tonga bandako, talaba soma bampako, talaba salaboye, yo, vous salanine, au canisinde yom toko bongi samboko yo, moto ya yi bakate, bazo sekaye. Moto oyo a izoko yiba bazo betelaye maboko. C'est le monde à l'envers. Exact. C'est le monde à l'envers. Oh, mbo cannabis oyo. Ce qui vraiment, peuple a commis exigeant, attend que mon source que ça canne habi sauté. Jamais. Parce ce qui va passer bien non boyo, il faut bosser dans la mayele, y a kotongango malamu, pour bosser les saboyo bazar, pembeni na bino, bosser la heureux et longo, hein. Mais kolobate bon parce que c'est à qui boyer. Totongambo kanabiso, parce que mbo kanabiso, il faut ezala puissant. Le col à ba chine, ba komi ba premier. Spiso to kozala kaka ba dernier en tout. Kanazana ba kambo yo da koki ko raconte bino. Musique oyo ya Congo, musique ya Congo, Ganazaki na Abidjan, ba ebisingay. Comment Alpha Blondie a mata. Parce que baza ko zela musique na biso eza ko ya kaka. À la fin de l'année, Bano Yaisti, Baza Kousala Côte, Baké Koteka Bamba Musicien, Banque d'organisation, Manque d'organisation. Toutika Makambo Yakouiba, Batouba Bandape Kobanga Kouiba, Soki Ba Bangi Kouiba, Mbongo Ekotika Lananani, Toko Tonga Mboko Kosala Kitoko, Toko Kende, Kubanda Kende, Bisika Moussousouté. Te Batouba Tika Kouiba, Ezana Makambo, Minene Mibale. Li kambwa liboso te moto nyonso azala na mosala l'état ezala na politique ya kosala misala ya kopesa moto nyonso mais papa po azala mbongo wana il faut mbongo etikala na kese te yango kasi eloka liboso liboso te moto nyonso akoka kozwa mosala. Biso to yebaki na tango tozo tanga na université, tango akala. Ezalaki nini, ozo tanga na université, oyebite tango kosilisa, bazo zela yo na compagnie boye. To bazo zela yo na sika boye, po banda deja musala. Donc, musala ezala po na bato banso. Yami bale, il faut li futa, li zala, li elilongo bani. Na moto pour akokako vivre sans que azala obligé ya koyiba na kesi ya l'état ou ce qui yo ozana li futa li longo bani eh bien okozala na li sengenya wana te ya okenda koyiba kasi ya sukande oyo na kobakisawa ezali te ata soki ozali na li futa li longo bani ata soki ozali na musala ya malamu mais motemande lokoso oyo etondi na mitema na biso la convoitise la cupidité yango nde to senge ko se libérer na yango soki to se libérer na cupidité wana na lokoso ya kozwa alors na tango wana oko vivre malamu na oyo bazo pesa yo eza moke oko s'organiser na moke wana ezali mo ebele oko s'organiser na mo ebele wana poko yeba ko kabola na bandeko o bazana mo moke pote moto moko te azanga monsieur la baiza ko yebisa biso ko pesa biso na ba exemple na Singapour. Na Singapour balobi moto bato yo bakambongo mingi koleka ezali banani ba enseignant ba moniteur batei mais balakisi nde bazwa kambongo koleka parce que moto nyonso oyo biso oyo to komi awa parce que tuzaki na balakisi mais soki to kanisi balakisi te ça veut dire que on dirait ça complot. Batubalingi baiba yango bazako freiner batuba mona clarté. To pesa valeur na balakisi. Okomona mboko eko. Tomba moi et puis tout le monde comprendra le chemin qu'on aura tracé. Le Congo de nos rêves. Oui, je crois que les problèmes effectivement qu'on a mis sur la table sont réels. Et on a l'impression que tout est prioritaire, tout est urgent. Finalement, on ne sait pas par où commencer. Et pourtant, il y a effectivement un début. Le début, c'est
de faire en sorte que cette exigence-là dont nous parlions débouche sur le choix des gouvernants parmi les plus qualifiés, ceux qui ont le meilleur profil. Verrouiller l'ascension des médiocres, qu'il ne soit plus possible à un aventurier de tout poil qui sort de ne sait où, le lendemain on le trouve ministre, ministre, président, député. On dit mais comment il a fait? Ah non, comment il a fait? C'est ce que nous avons laissé faire. Nous devons verrouiller l'ascension qui ne mérite pas. Absolument. Il faut que Benzato Kangami Banzela Nyonso ou Batuba Zanganini valeur, mais Bazo le Kaka Lobina Lobia Komi Mukunzi. Okumi tout, mais a commis Dengini na place. Il faut que nous soyons aussi du sang. Moutou Yaza Penzana mérite Teazana. Na vocation ma kokibonaki ma bongi bona kutambisa mboka kokiki ko matali susu te déjà awa ezama kama ko no après tout ça non 2023 ceux qui va sali élection 2023 déjà to bloqué mutu moko te oyaza na profil penza ya malonga a matata élu te to banda déjà ko s'organiser en fonction ya 2023 après système wana ndeko matisaka ka bato nyoso tozolo bawa bazana caractère ya malamu bazana souci à ko servir parce que servir eza ce n'est pas tout le monde ba tumusu baza peza na vocation wana absolument aza pre ko oya ko la musé na 4h du matin na 3h du matin po asali sa mungu ndeko kuna tout ça donc bazana souci wana ko servir bato to lo ba na nya compléter yo bon yo au voté mutu parce que au yebi kombo nai hein parce que azar ça la mouvement azar la député bangonde ba yo wana ba sala ka que a salaire les amouke mais député bo pona bato ya bien basi ba asala kanini azar na ye azar ceux qui azar pauvre à consenga kaka ba 10 000. Mais ce qui a déjà à l'ingi qu'on servir, à tabo pesier $3,000, à l'obi que, à yebi que, naza ko sa la po, Congo ezala mon nene, Congo ezala na makoki. Mais ce qui bovote, parce que kibambi to yebi ye, non, c'est pas ça. Mais na sa la bino nini, na teya bino nini, po bovote ngay, vi nangay ezan denge nini. Donc, toti kamakambo yako, pesa ba farceur place one bon ce kanda bango bon mena na bango bière mais conscience na yo olobi bière on na meli ya moibi a cause wa voté voilà comment le peuple un peuple se construit ezali kama mutu ya monene inko banine inko bate tokopono bato na nzela ya mabongi ya mutu moko moko mabongi maye mazali nini na nzela bo mutu bonene ya Congo ezali boso te na nkitana yango ya se ya mabele ezali boso te tolo ba bonene ya Congo ezali boso te poto za na wolo tozali na diamant tozana uranium tozana coltan tozana biloko ndenge na ndenge bonene wana yango motememeli biso pe makambo ndenge na ndenge ya mabele na bitumba na bokabwane bonene ya Congo ekozala liboso bonene ya Congolais ya monene azali Congolais oyo aza na mbongo te aza Congolais oyo aza na mituka na banini ya muyibi mbala mingi mais aza Congolais oyo aza na mayele na bongo na ye ana mayele ya mibale aza na mabongi ya motema aza na bolingo ya baninga azali na bosolo azali mu ya boboto azali moto oyo azali kotonga bondeko bipai biso azali koleka azali kotonga bondeko azali kosalisa bato po basangana bazala lisanga et bien bonene ya Congo kouta wana mbwana te toko bunda biso na biso pona nini tozo wela kozwa mbongo tozo wela kozwa biloko boye pe banguna
bakoya ko kabola biso pe bakosala nini bako nyata biso po biso na biso to bomanaka bango ba ndukaka enkita ya mboka na biso. Oui, parce que oyo mike baza ko pesa biso bozo bana biso moko oyo mike ma ba baza ko pesa biso mais ba yebi ke baza ko zwa ebele ya koleka ya koleka. Mm. Alors biso to kotika la kaka na ba moniteur ou baza ko zwa 100 francs. À combien? 20 dollars. Ouais. Mais na 20 dollars na kola kisa bana ndengeni. Parce que ce qui battu à Mayele, monseigneur Tshibangu Tshishikwaza ko yipsangai na l'air toza ko tanga kala toza ki na battu à Mayele. Baza ko tangisa na motema malamu bio et puis à la fin bana naye pa baza ko. Mais il y a les loyaux totiki classe wana plomone ne wana. Isa complomone ne po bazo mboko yo. Ya ko abandonner classe. Vous avez besoin de ba mama ba sala ka tupo mwana zunga classe. Mais classe nini pona kende ko tanga nini. Wana de complomone ne to sala makasi monsieur l'abbé to belela to sala makasi classe na biso primaire, secondaire, universitaire, et dans la classe, il y a ma casse penza, pour dominer le monde. Et l'ingi kolobate, balakisi, kobandana maternelle, voilà. Primaire, secondaire, université, supérieure, balakisi. Oto bengi bate, basenge kozala bato, il y a bato ya mutuya, bato ya mutuya, boyo, azali, yemoko, azana li memia la yemoko. Voilà. Lelo yo nazali mulakisi po baza ko pesa baza ko futa ngai li futa malongate na okenda ko zwa mbonge pa ya mwana kelasi na ngai toka nde tango nazo kina ko zwa mbongo e pa mwana kelasi na ngai e bien na tango mi mekanwe ko salema toto bingi examen e bien point nini na ko pesa e point na ko pesa e zali o ya merite te mais point na ko pesa e zali o ya sombi na mbongo o naza ko kenda ko zwa e pa ina e na tango wana education e zali wapi instruction e zali wapi moto oyo asengeli kozala molasi na école maternelle na école primaire na école secondaire na supérieure na université asengeli kozala moto ya mutuya monsieur l'abbé moto ya loyo na koyebisa yo boye batoyo baza ko pesa cours ba professeur ba moniteur ya Mayele baza isusu na ba cours wana batika et lokwana na batu oyo c'est grave si vous imaginez ça. Donc mola kisika la biso tout ça ko respecter ba ko tout ça non le lo est komi tika bozo ba wana to banda ko futa bala kisi malamu malamu et batu ba ko kende ko tanga nini ko lakisa bana ba ko la mingi balobio mbonge ezate na mboka balobio mbonge ezate toke na kuluka mbongo na fonds monétaire toke na kuluka mbongo na banque mondiale toke na kuluka mbongo na États-Unis toke na mbongo na Union européenne lokuta mbonge ezali na mboko oyo kasi lolenge ya ko kabula yango nde ezali malonga te soko lelo yo tolingi oyo likambo tozolobela ya kolakisa kelasi et tout ça tata mokonzi ya ekolo ya mibumu ye alobi nini kelasi ezala ofele mpona bana ya ekole primaire kitoko mais kitisa nano mbongo ya badepute kitisa nano mbongo ya baministre kitisa nano mbongo ya bato oyo ntango mosusu mosala ngo mpe bazosala ezomonana mpenza te kitisa nano mbongo matis lakisi sala na ndenge te molakisi azala lisusu na complexe moko te na bamboka mosusu toyokaka yango kaka na afrika kokenda na epoto te kokenda na bisika mosusu te awa na afrika okoyoka mboka moko boye molakisi ya école primaire na rien a envier na ministre pamba te salaire na ye ezali kolingisa ye akoka kovivre bande bandeli ya sanza ti suka sanza akota nyongo te molakisi azali na motuka na ye molakisi aza na ndako na ye aza mofuteli te azali na ndako na ye na lopango na ye mpona nini mpo batie molakisi na esika na ye molakisi mpona nini parce que molakisi aza koteya aza
pesa biso mayele tomo na clair mola ki si akola ki sa biso topo na mbate comme député bandeko moto pamba pamba te mola ki si akufungula biso miso pona ko sala en sorte que na gestion soda azala bien policier a bien oyebi que biso baza ko la ki sa biso na le tuza bana mike soda a respecta ka uniforme na ye mais tout ça continue d'abord soda batika ko respecter ba uniforme na bango vraiment alors non y a ko kang la kang a ko kang la biso o ozana ba kambwa suka o lobi mingi te non nyon so to lobi awa il a kisi que mbula matali l'état o penza ya kitoko ya solo ezali awa te o nyon so zolo ba policier c'est ça l'état soda c'est ça l'état l'enseignant le médecin, balabala, tout ça, c'est ça l'État. Donc, Bissot, depuis longtemps, et ça, il y a les lotés, depuis longtemps, tout ça, c'est l'État. Parce que ce qui l'État est capable, il y a qu'à répondre à ma devoir, c'est ça, c'est l'État. Tout l'État, il y a solo Ezonga. Pour que l'État, il y a solo Ezonga, il faut d'abord, bah, leader, Nabiso, leadership, topo na penza ba oyo bazana ambition wana ya kotia Congo na place na ye ba leader wana ekozala kaka na nini na niveau national te na niveau provincial te na niveau local quartier groupement ba tuya solo totia bango na ba nyonso wana voilà c'est là de l'état kozonga mbongo ya l'état oyo nyonso fwe kota na kesi ya l'état. Et qu'on bande à Kozon. Oui, mais na katio maloba. Ata yo mama, tout na libo na ebandeli a mission et tout le baki mutu na mutu a sa la confession. Masala kanini ya mabe. Yo za kozo mbongo kende kupe sa professeur pour mutu mwana na yo a zwa licence. Mwana yo a za la me docteur. Me docteur wana, oyo fute la mbongo. Nde ako boma yo te, parce que ako banda kutanga isusu te. Yoka, donc, wana ezabli mabe, abunda, asala nyonso, mais po asala nyonso, il faut l'état zong. Na kanisi... Président Mobutu a telaki, oto bengi, le parti état. Et le parti état. Eh bien, banda... Président Mobutu Akenda, eh bien, l'État est parti. Le bossier de Zagina, parti, État, c'est l'État est parti. Donc, l'État est Kenda. Quelle belle blague. Koufa. Yango, tu le dis, l'État est Sengeli Kozonga et Sika na Yango. Et Sika na Yango, ezali nini, ezali te, lelo yo, pa Kozonga na Kofuta. Na Kofuta Yango, po nini po, moto ya l'État. Asala musala o ngana zozela asala ponangai naza ko pesa yeba moyen angai pa kuana to futa kezali te tozo pesa yamuna yizo lobaki rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu rendez à César ce qui est à César c'est à dire donner l'impôt à César pour que César puisse faire le travail que nous attendons de lui oui et que il rende la vie de la communauté plus agréable plus confortable. Parce que nous lui en avons donné les moyens. Et il doit nous rendre compte. Bah, moyen wana, l'État kopé sabiso, total paix, makambo, yaba, église ebele. Église, ce qui moyen, zali tout sambela, ba église et sangana, et banda ko se réunir là-bas, na bas, et si kamokoyo, ba bruit et kozalate pour na ko déranger voisinage. Parce que oyo tout ça qu'on sala les lots, babri wana, ezokotana ma matou yabana, tout ça déco préparé bafou lobby. Kosambela ezali mabete. Nga ezanazana esika na sambela kaza esika ekanga. Mais ba église esika na vanda kanazana voisin quatre églises. Tout ça bela kosambela ka nzambe moko yo vraiment. Et puis t'as la babri. Monsieur l'abbé et monsieur Insili. Toko zongelango mena zongi kaka na oto lobaki uto libandela. L'église doit fonctionner selon le primat de l'être.
Quand l'Église devient un moyen pour avoir, ça va se multiplier et chacun créera sa petite Église. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec ces mots de Monsieur l'abbé, c'est vrai, ils ont la part belle, ils ont des églises, hein, les grandes églises, mais faites la même chose avec l'argent que vous gagnez. Oui, bon. Si cette émission est terminée, nous reviendrons. Alors, ceux qui ont des idées à venir partager avec nous, qu'ils ne puissent pas, n'est-ce pas, traîner les pas, venez et nous allons échanger pour que nous changeons vraiment la mentalité des gens. Nous sommes en train d'aller dans le mur. C'est vrai. Merci. Et à mercredi en 8 ans. Au revoir.